L'ancien ministre de l'évaluation des politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social du Bénin, Antonin Dossou, partage ses expériences sur la gouvernance publique. L'ingénieur statisticien économiste de formation s'est exprimé à travers l'ouvrage intitulé « Partage, le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». Un entretien qui révèle non seulement son parcours et ses actes au cœur de l'action publique, mais aussi dévoile 12 chapitres ponctués de quelques témoignages d'éminents cadres africains. J'ai choisi, mesdames et messieurs, de partager quelques convictions inébranlables qui découlent justement de l'expérience de 9 ans au service de l'action publique ici au Bénin. Après ses études à l'Institut national d'économie INE, Antonin Dossou a été appelé à la fonction publique, notamment à la direction de l'évaluation publique du ministère des Finances. Son investissement lui fera valoir d'autres charges, particulièrement à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. La deuxième conviction que j'exprime, c'est que le développement de l'Afrique est possible. Le développement du Bénin est possible. Nous disposons d'énormes potentialités à cet effet. Antonin Dossou a exprimé 5 convictions dans l'ouvrage « Partage, le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». L'auteur estime entre autres que l'éducation constitue la clé de voûte du leadership. En matière de gouvernance, il milite pour la promotion de l'évaluation des politiques publiques et des hommes d'État.